Papa Ours aligné sur ICC3849. Passage de la vitesse à 150. Maintenant. Vitesse 150, grade leader équipe red, vitesse 150 en formation autour de Papa Ours. Reçu. Grade leader équipe red en formation de saut, donc distance 500 entre chaque. 150 confirmé. Red 2 prêt. Red 3 et 4, sauter en avant pour voir si ICC probe et vide Denis. Cargo. Normalement, ce serait Red 3 qui parle en premier en Red 4. Red 3, Red 3 est sur place. Red 3 est sur zone. Red 4 sur zone. Là-dessus. Pour le moment, pas de contact, hein. C'est libre. RS. Roger. Pas de soucis. Rogue 1 et 2, pareil. Pas pour sauter. Red leader, pareil. Red 2, pareil. Alors, Papa Ours décolle dans 3, 2, 1, engagé. Red 1, Red leader, Red 2, on saute. Monsieur. Red 2 en transition. Red 2 sur zone. Red leader sur zone. Red 3 en stationnement. Red leader, Red 2 en formation autour de constellation. Red 3 et 4 partaient devant à laisser ses probes. Test Papa Ours 1-5-0. Red 2 reçu. Bah, Red 3 sur place, sur zone, sur la station. Red 2 dans tes 5. 5h, 4h. Ok, Red leader accroché. Red 2 accroché. Right now. Anyway, vitesse 1-5-0. Il y a une raison pourquoi j'ai commis. Je n'ai pas le droit de laisser mon poste. Important jump point scanning et tout. Donc, j'ai hâte. Tu as dans position. Je vais recevoir les ordres de mission de l'ICC. Red 2, pouvoir ralentir. Non, vitesse 1-5-2 pour moi. On a déjà, on a reçu l'information pour le prob. Red leader à peu près, attention, on est sur tes côtés, donc si tu tournes, tu préviens, qu'on sache. Okay, je tourne. Et où, à droite ou à gauche? Cap à droite. Ok, Roger. Virage plat. Red 3 et 4, information autour de Papa Ours. Les coordonnées fournies 2904-UEE649. Équipe Red, on s'aligne sur 2904. Red 2 près. 150. Ok, Red 1 et 2, enfin Red leader et Red 2, on va sauter en avant pour voir s'il y a quelqu'un là-bas. 3, t'es aligné? Oui. Ok, 3, 2, 1, go. Red 2, j'encourage. Red 3 et Red 4, restez en formation. Préparez-vous en formation de saut à 500 mètres d'écart. Red 3 en position, quasi. Red 2 sur zone. Red leader sur zone. David, tu vas pas ours, s'il te plaît. 1-5-0. Red 4 en formation. Merci. Red leader, vitesse, s'il te plaît. 2-5-0. Red leader à Papa Ours, rien sur l'entrée du saut. Roger, on se prépare à sauter. T'as vu Jeff? Oh, on est arrivé pile en formation, c'était nickel. Ah, nickel, ouais, ouais, c'est de mieux en mieux. Hein. Ouais. Red 3 et 4, pareil à sauter. User Red 4, pareil. Channel. Red 3. Red 3. Red 3, on attend votre réponse. Red 3 en position. Ok, donc attention, on saute dans 3, 2, 1, engagé.
Papa Ours, Red Leader en transition. Wilco. Reçu, Jeff. Ouais. Ouais, t'as raison. Non, bah, reçu, c'est reçu ou Wilco, je crois. Il a rajouté reçu, gourmand, sauf erreur. Non, Wilco, c'est quand tu. Ah oui, je confonds, oui, j'ai dû dire Roger, pardon. Oui, excuse-moi. Vitesse Papa Ours 1-5-0 sur zone. 4 sur zone. Ah. Ok, mon volcan est bugué à moitié, donc je reviens. Je saute. De Tyler à Calis, est-ce que tu nous as vu pendant le saut à 3 km devant toi? Non. Parce que j'avais un visuel sur toi pendant le saut. Ouais. Red 2 à Red Leader, je tente la formation très très. Roger. Papa Ours, Red Leader, votre position 15 km en avant du point de saut, pas de contact. D'accord. Papa Ours est à 23 km. Red 2, Red Leader, soyez précis dans les consignes s'il vous plaît, je suis à moins de 50 mètres de vous. Roger. Check, 10 degrés gauche. Passer en cruise pour rattraper la vitesse cruise à 50% pour le constellation. Faisons sa vitesse des castabilis. La leader arrête 2, tu vois quelque chose? Non, mais je sais déjà plus ou moins où est la balise en fait. Papa Ours arrête 3, arrête 4, je stabilise. Ok, Red Leader arrête 2, passe devant alors. User joined your channel. Vitesse 260. Alors, vitesse précise 298. 298. Parfait, j'ai calé à 295. Red Leader, je vous ai en visuel. Roger. Papa Wurst, je vais mettre en position pour aller récupérer la balise. C'est qui dit ça? FFF. Ok, Roger. Je descends les gaz, Red Leader, à 150. Roger. Constellation, faites attention, nous avons les bouffiers qui sont HS. Constellation, c'est contact à gauche, hein, la balise, hein, à ta gauche. Et vers le gros caillou. Red 3, Red 4, virage à gauche. On sort du cruise, hein, on est d'accord. Hein. Non, toujours en. Ok. Les habitudes, elle est là, elle est où? Red Leader, Red 1, Red 2, pourquoi c'est flair? J'ai pas balancé flair. Ah si, je comprenais pas, je dis bien, il y a une cible. Je me fais stresser là. Papa Ours pour Fefe, tu me diras quand tu seras en position. Red Leader à Papa Ours, vous voyez la balise? On s'approche de vous, de votre position. Red 3, Red 4, coupez le cruise, on descend en SM. C'était 150. Red Leader à Red 2, tu es sûr que tu sais où elle se trouve la balise? Ouais, normalement elle est dans quoi, hein. Red Leader à Papa Ours, vous voyez la balise ou pas? On entend. Négatif. On n'a aucun contact, aucun pic. Il aura un carat. J'ai un bip. Et le contact audio. Ouais. Ah, mais j'ai coupé les sons au maximum. Tracé de contact audio également. De Tyler Akara, je pense avoir vu vertical en dessous, environ 9h. Ok, Roger. Papa Ours à l'arrêt. Pilote. À 3 à l'arrêt. Red 2, on va rejoindre Papa Ours. Reçu. Caracture à Tyler, est-ce que vous avez un meilleur visuel sur l'avant? Alors, Cara, on va dire 45 degrés bas. Ok. Ouais, j'entends la balise. La vitesse.
plus bas encore, je pense. Je vais descendre en strass, c'est plus simple. Ah, j'entends le bip qui s'accélère. Tracide, attention, impact météorite. Une petite marche arrière, attention derrière. Putain, j'ai jamais autant de temps à trouver cette balise. Non mais elle est chiante celle-là, la première elle est vraiment super chiante. T'as trouvé normalement, c'est surtout droit puis à gauche en fait. Ouais, là, je vous laisse, contact je vous laisse visuel faire le truc, sur balise, arrête 4. Roger. Papa Ours visuel aussi. Vous l'avez, Papa Ours ? Oui, visuel. Je m'en approche, Fefet est vous prêt à la sortie. À environ 1 km. Aussi. Ah, visuel. Visuel. Équipe Red, on reste en mouvement. Papa Ours ira récupérer la balise. Si on fait la mission suivante, on est obligé de récupérer la balise. Hein. Un à FFL, tous pilotes, oui, sinon tu verras pas le point en fait. Les pilotes. Ah, ok. L'équipage de constellation, non. C'est fait là, papa. On se demande de l'autorisation pour sortir. On est là. Il faut tous récupérer la balise. Red 2, je sors. C'est fait là, Papa Ours, j'ai un visuel sur la balise. Red Leader sorti. Red 3 sorti aussi. Red 2, je suis dehors. Et on sort tous. Red Leader, j'ai la balise. J'ai un souci de constellation, je vais absolument avancer. Quitte le siège. Bon. Capitaine, iceberg, c'est droit devant. Marche. Okay. Fais la Papa Ours, bah il récupère. Merci. On dit qu'on va te monter à bord. Red 2 à Papa Ours, bah il récupère. Red Leader, Papa Ours, je suis dans mon vaisseau. Roger. Vous étiez sorti pour quoi, Red 1? Bah, vous voyez, tout le monde est sorti pour prendre la balise, sinon on voit pas la mission d'après. Bah en fait on n'y allait pas la mission d'après. Ah bon. Red Leader à tous, je prends une pause de 2 minutes pour aller voir si mon fils est parti dormir ou pas. Ok. Ou alors là on récupère les données, on les ramène au codex. Red 2 incoming. Under. Fais la Papa Ours, je passe par la soute. Under. Nous dire qu'il est glitché dans une minute. C'est fait la Papa Ours à bord. Ok, je vous laisse revenir dans le cockpit et puis on repart. Enfin, on va attendre que le statut de Red 1. Le SAV. D'accord, je bouge en fait. Ça... Red Leader de retour. Ok. Papa Ours passe à vitesse 50. On se dégage de cet astéroïde et ensuite on repasse à 150. Red Leader, mon jeu a planté, je relance. Ok. Ok, Red 2, je récupère le lead. Red Leader, banté 8h. Groupe Red, en formation. Red 4. Prends information. Vitesse 50.
Bon, on essaie de viser un Crayastro, celui qui est plus à gauche, par contre j'arrive pas à voir son numéro. Augmentation de la vitesse, c'est à 150, 3, 2, 1, maintenant. Donc, on transition dans 3, 2, 1, engagé. Groupe Red Leader, je charge. Enfin, ex-Red Leader, je charge. T'es à 10 ou Charlie 10, Papa Ours? Charlie. Pardon. Charlie 10. Équipe Red, posez-vous en Charlie 10, à Charlie 9. Pépé, il y a moyen de ranger les trucs de lance-missile, hein, parce que je pense à... J'ai une phase d'atterrissage. C'est bizarre, je les vois encore online.